Cher Monsieur Stork, je vous écris du Borinage où je suis né et où je reviens après 12 ans d'absence pour vous adresser cette lettre, filmée 60 ans après votre passage, sur les lieux mêmes où vous avez tourné avec Joris Evans le fameux film dans lequel vous dénonciez la condition misérable des ouvriers mineurs borins. Ces logements sans lumière sont situés au pied de pylônes qui transportent des quantités énormes de courant électrique. La construction de l'église coûte 3 millions. Cher Monsieur Stork, ici, tout a bien changé. Tout d'abord, l'église est maintenant terminée. Les charbonnages, eux, ont disparu, ne laissant ça et là qu'un vestige, un souvenir ou une ruine. Les quartiers de taudis existent encore. Ici, toujours pas d'égout. Les eaux usées croupissent dans les rues. La voirie est en ruine ou inexistante. Et il faut parfois être sportif pour rentrer chez soi. Des maisons s'écroulent tandis que d'autres tiennent debout. Les orties poussent là où elles sont tombées. Et il est parfois difficile de différencier celles qui sont vides de celles qui sont encore occupées, comme celle-ci. Ou celle-ci, dont les habitants sont partis quand un mur s'est écroulé. Ici, tout d'abord, personne ne veut me parler. Parce que celui que l'on méprise finit par se mépriser lui-même, les habitants se tiennent chez eux, derrière les vitres cassées. Piégés dans la honte, ils se jugent indignes de la société qui les a produits. Ils n'ont donc rien à me dire, ni parfois plus les mots pour le faire. Rien à ajouter, rien à attendre. Et c'est ce silence que je veux comprendre. Le silence de cette maison, par exemple, dont le toit est percé et les vitres tombées. Le silence d'un taudis, habité pourtant par une mère de 4 enfants dont l'aîné a 11 ans, veuve depuis peu, et qui refusera toujours de me parler. À 100 mètres de là, Émile, un ancien mineur, commence à m'initier au silence des pauvres. Sans le malheur. Et puis on va aller, puis on est mort. Cette femme-là, c'est parce qu'elle a eu peur de dire la vérité. Elle avait 4 enfants là. On va pas rentrer dans la maison. On les voit. Rien sur le mur, hein. Le mur c'est comme ça. Non. On n'a pas pensé au sous-marin, ni rien. Elle vit de la chambre commune qui donne. Hein. Écoutez, monsieur, je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'a pas faim, il ne saurait jamais comprendre celui qui a faim. Celui qui a eu faim comprend celui qui a faim. Mais d'autres qui ont trop d'argent, ça veut rien comprendre pas. Ça, je suis vraiment vous le dire, c'est comme ça. C'est logique. Je sais bien que vous faites un reportage, mais il faut me taire parfois. Quand vous voyez des gens qu'on fait, même des bêtes qu'on fait. Comme ces enfants-là, vous avez vu quelle femme. Bon, ces enfants-là, ils vont à l'école du Berchon. Bon, ce sont des enfants arriérés, comme on dit. Mais c'est pas vrai, non? Parce que les parents n'ont pas assez pour conduire leurs enfants. Voilà. Ils ne sont pas plus arriérés qu'un, non? C'est pas vrai. Non. La débilité mentale des enfants est aussi lamentable que leur déficience physique. Un enfant de 6 ans ne réussit pas l'épreuve élémentaire consistant à séparer des boutons blancs de boutons noirs. Bon, en moto, ils vont les 4. En moto,
jusqu'à 18 ans, là, il va dire comme ça. Ils vont avoir à tout ça un petit diplôme. Parce que le travail ici dans le Borino, c'est un peu bien. Quand il y avait le charbonneau, ça marchait bien. Tandis que maintenant, ça ne marche plus. Regardez, c'est un carmesse ici en bas. Bon, il n'y a plus de carmesse. Hein. Pourquoi il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus rien. Hein. On paye trop cher dans tout. Hein. À deux pas de là, ce qu'il reste de la kermesse qui, jadis, rassemblait la population. Ça va de 7 000, de 8 000, comme ça. Mais ça lui qui n'a que 20 000 francs, comment est-ce qu'il va faire? C'est ça qu'il faut voir. Ouais, la misère, elle vient un petit peu à la fois. Moi, je peux vous montrer à lire, c'est déjà mon temps que j'étais gamin. Parce que moi, un papa travaillait au charbonneur, et on dormait à 12. Il y avait 12 enfants. On retournait le temps pour faire un lit avec. Et on dormait sur le paille. Moi, je ne sais pas lire ni écrire, monsieur. Mais je reconnais les gens qu'on fait. Parce que moi, j'ai eu faim. Tenez, je vais vous montrer. Je vois la ruelle, là. Ça, c'est à quelqu'un qui l'avait déjà. Qui ne sait ni lire ni écrire, m'apporte un livre. Vie, c'était déjà un type que... Écrit en 1922. Celui-ci dénonce une misère sociale et intellectuelle dont les conséquences ressemblent étrangement à celles que je vais observer dans le même quartier. Quand vous voyez là... Quand vous voyez les maisons, là, hein? Quand vous voyez ici, là, les maisons de la Brée, là. Bon, ça existe hein, encore maintenant. Hein? Donc ici, c'est un livre qui date au moins dans les années 30, hein? Et même plus. Hein? Alors, voyez, ça existe encore, hein? Il y a des gens qui vont encore là. Il n'y a rien de changé. Le riche reste riche et le pauvre reste pauvre. Le riche reste riche et le pauvre reste pauvre. C'est normal. Je vous le donne. Quelques instants plus tard, Émile me conduit jusqu'au taudis où habitent la mère et ses 4 enfants. Mais ici, la misère est honteuse. On dit plus prolétaire, on dit cas social, pour mieux culpabiliser ceux qui souffrent et les forcer à cacher leurs plaies. Émile! Non, ne mate pas. Coucou. Maman, je pleure pour qu'elle ait quelqu'un. Mais qui? Coucou. Elle a baillé tout le temps. Maman, ne mate pas. Outre le toit percé et les fenêtres sans vitres, la maison ne contient ni toilette, ni chauffage, même en hiver. Ce jour-là, je comprends que cette famille devrait vivre plus dignement, rien qu'avec les allocations familiales. Mais que c'est impossible quand on ne sait ni lire, ni écrire, ni compter,
si l'on n'a jamais appris à vivre autrement parce que la misère est héréditaire, autant que la fortune. Champion. Ouais. T'as peu? Hein? T'as peu? Non. Il y a un peu. Je peux dire la vérité. Et pourtant, dans d'autres quartiers du Borinage, des villas ont été construites pour qu'une minorité favorisée de la population puisse vivre dans le confort. Ici, il y en a pour tous les goûts. Fenêtres rondes, fenêtres carrées, style contemporain, style design, style classique, avec ou sans garage, style fermette, ou encore style italien. Quelques semaines plus tard, je retourne au taudis. La mère et ses quatre enfants viennent de se faire expulser pour loyer impayé. Et je me demande comment on a pu me faire croire que tous les enfants ont les mêmes chances de s'en sortir, selon leur courage et leur mérite. Jour après jour, je vois d'autres quartiers, d'autres rues. Les habitants brisent parfois un morceau du silence, même s'ils ne savent plus très bien dans quel jeu ils jouent. Comment d'ailleurs le sauraient-ils? Pourquoi leur expliquer l'absurdité du système qui les exclut, puisqu'ils se tiennent sages comme des images, et qu'ils ont bien appris à se juger eux-mêmes? J'ai quatre enfants, je reste à cette baraque là. C'est pas gay, rester là avec quatre enfants, mais quand tu es obligé, hein, c'est mieux rester avec deux. Hein. Et même l'enfant, quelquefois, ils disent pourquoi on reste tout le temps ici, qu'on ne va pas ailleurs. Moi, je dis, ouais, s'ils ne donnent pas la maison, si on n'a pas le moyen, alors il comprend et il dit rien, le gamin. Moi, je dis, plus tard, on va acheter une belle maison, on va voir. Moi, tu vas voir sa chambre, tu vas voir ton jeu. Je l'avance comme ça à l'enfant. Alors, l'enfant, il croit, c'est vrai. Si j'ai le moyen, je ne resterai pas ici. Hein. Je vais ailleurs. Mais maintenant, je suis bloqué ici, qu'il doit rester. Sinon, personne qui resterait ici. Hein. Ah, on les a fait partir, je sais pas. Non, moi je l'ai pas vu, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Non, non, il est là dans le champ, puis il avait une paillasse d'un mètre. Une paillasse d'un mètre de vêtements, de linge qui jetait, il dormait dessus comme ça. Non, moi je m'occupe de ma maison, les autres, au PMD, ça ne me regarde pas tout d'abord. Non, non, moi je n'ai rien à voir avec ce genre-là, ni avec personne d'ailleurs. Et c'est pas nous autres qui peut toujours aller mettre. Il y a quand même des grosses têtes pour ça. Il y a des docteurs. Ils ont qu'à arranger les femmes. Hein.
Ah ben tiens, ben, ils savent bien qu'ils sont bons pour rien. On n'a qu'à faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus d'enfants. Hein. Comme on n'avait pas de domicile, on l'avait mis à Glain. Le centre, vous ne savez pas si vous connaissez les vidéos d'aveugles à Glain. Comme on n'avait pas de domicile, on l'a mis là. Pour handicapés mentaux. Oui. Mais elle n'est pas, elle. Hein. Mais elle a resté de 93, c'est ça, hein, jusqu'à maintenant. Ici, je l'ai repris avec moi. Elle est restée 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi. Ici. Bon, elle est obligée de faire un an à Frigny parce que retourner dans une école normale tout de suite, elle ne sera pas suivie. Alors on a dit de lui mettre un an à Frigny pour rattraper les cours. Bon, la maison colle, elle va être vendue parce qu'on va aller tout le monde. Je suis sans ressources. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne donne pas à domicile? Je ne sais pas. C'est une lettre que j'ai reçue de la reine. Que j'avais écrit. C'est une lettre qui date du 12 décembre 96. On m'a répondu par une lettre, oui, on prend votre cas en considération, mais il y a 4 ans de ça. Jamais eu de nouvelles. Il y a des maisons qui se vident, et tout le monde rentre dedans, il n'y a que nous autres qui ne rentrent pas. Nous autres, on gagne 31. Ça dépend encore le mois. T'as un petit mois, t'as un gros mois. Quand c'est un petit mois, t'as moins. Et il faut quand même acheter les affaires d'école. T'as tout à payer, même le courant ou tout, et t'arrives pas. Quand t'arrives, quand t'as tout au chèque, là, t'as plus rien. Il te reste plus rien pour vivre. Il est toujours malade, il a pris des brouches, et il y a de l'âge. Mais le docteur, il me dit qu'il est blanc du visage, c'est pas normal. Il a médité qu'il a ici, alors il s'est pas bien respiré. Et alors, tous les mois, j'appelle le docteur et c'est toujours des médicaments. Hier, j'ai téléphoné au docteur. Je lui ai dit, écoutez, j'ai peur qu'il s'est stoppé pendant la nuit, qu'il tousse fort. Et à 3h matin, il était réveillé. Il ne sera jamais soigné comme il faut dans une maison pareille. Comme beaucoup d'enfants perturbés par la pauvreté de leur famille, la petite fille est inscrite dans une école pour handicapés mentaux. L'homme que je rencontre ce jour-là a vécu la même histoire. Il vit dans une maison d'accueil pour sans-abri. Au départ, quand je suis rentré en gardienne et tout ça, j'ai suivi les cours normales jusqu'à ma première année primaire. Bon, à ce moment-là, j'ai eu des problèmes familiaux avec mes parents et tout ça. Comme ma mère était battue avec mon père, quand c'était pas ma mère, c'était moi et ma sœur. Parfois, à 1h du matin, on devait aller téléphoner à la police et tout ça parce que ils nous tapaient dessus, ils tapaient ma mère et tout ça. Donc, on a eu des séquelles là-dessus à cause de ça. Et bon, moi et ma sœur, on a eu tous les deux un choc. Bon, ma sœur, malgré tout, elle a continué l'école normale, mais moi, je suis tombé dans un enseignement spécial. Comme je dis. J'aurais préféré même ça, j'aurais préféré que ça m'arrive jamais parce que bon. Je sais toujours pas lire et écrire sans faute. Je me demande bien pourquoi j'étais à l'école. Parce que plusieurs personnes ont remarqué que c'était pas ma place et. Et résultat, encore maintenant, je subis les conséquences encore maintenant. Bah, je trouve pas de travail normaux,
J'ai dû passer chez un médecin et tout ça qui m'a reconnu à 66% d'handicap, dehors que j'en ai aucun. Je trouve que j'aurais pu faire autre chose que rentrer là-dedans, quoi. Tu en veux à quelqu'un pour ça? Bon, j'en veux un peu à tout le monde. Sans dire personnellement qui, mais j'en veux un peu à tout le monde. Ce que moi j'ai vécu, c'est un peu quasiment ce que mes parents ont vécu aussi, quoi. Bon, eux aussi, s'ils devraient remercier quelqu'un, ils ne sauraient pas qui remercier, parce que finalement, ils n'ont personne à remercier non plus, quoi. Moi, jusqu'à présent, ma vie, ça a été un échec jusqu'à présent, ça n'a pas été une réussite. Parce que j'ai pas eu de gens qui... Comment expliquer ça? Je suis peut-être né pour vivre comme ça, c'est possible. La plupart des gens savent ce qui se passe. Les gens qui ont les moyens de vivre et tout ça, ils s'en foutent complètement. Voilà, donc vous êtes ici aujourd'hui réunis parce que j'aimerais... Vous donner le goût de lire. Alors vous allez me dire, lire, pourquoi faire? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on en a besoin? Pourtant, est-ce que, hein, est-ce que certains veulent lutter contre la pauvreté, alors, comme les enseignants d'une école au milieu des quartiers les plus pauvres. Vraiment dans sa vie de tous les jours. Et je sais que certains élèves ont des difficultés en lecture. Toi, est-ce que tu, dans la lecture, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresserait de savoir lire ou pas? Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu as remarqué des moments où la lecture te serait bien utile? Non. Jamais? Non. Donc lire, toi, finalement, ça ne t'intéresse pas de savoir lire? Non. Pas du tout? Non. Tu n'as jamais de difficultés, je ne sais pas, quand tu vas au magasin, par exemple? Au magasin? Tu vas jamais au magasin? Ah non. Et plus tard, comment tu feras, alors, quand tu seras plus chez ta maman, ou... Tu te débrouilleras comment? Tu feras appel à la voisine? Ouais. Tu crois pas que ce serait bien d'apprendre à lire, ne fût-ce que te débrouiller un minimum? Tu ne penses pas? Non? Tu n'as vraiment pas envie d'apprendre? On va quand même essayer, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. B-I-S. Si tu devais le couper ici, ça te donnerait... Plus le S. B-I-S. Et puis, C-U-I-T, bis, puis. Donc, tu vois que tu peux en reconnaître facilement, finalement. Hein? Tout ne t'est pas absolument inconnu. Il me semble que c'est déjà un bon début. Dans l'écriture normale, maintenant, est-ce qu'il y en a que tu peux retrouver? Ce sont les mêmes, mais qui sont mis dans un autre ordre. Alors, dis-moi un peu s'il y en a que tu peux reconnaître. Regarde, celui-ci, il est facile. Trois lettres. S, E, L. Seul. Seul. Très bien. Il a même gagné des concours. Ici, des professeurs se réunissent pour essayer de remédier à certaines situations qu'ils rencontrent parmi les élèves. Un gamin qui m'inquiète un peu, c'est Jacques. J'ai pas l'impression que nous allons le sauver facilement. Rappelez-vous les difficultés qu'on a dû surmonter l'an dernier. Et l'an dernier, on y était arrivé. Hein. Et les deux mois de vacances passés ont de nouveau fait reculer notre action. Ouais. Et nous devons maintenant le rehisser
dans sa scolarité. Mais en fait, le problème de Jacques, c'est s'il a quitté l'école, c'est parce qu'il avait besoin d'argent. Il est allé sous contrat parce que le contrat lui permettait d'avoir un peu d'argent de poche. Hein, il n'avait déjà pas d'argent pour payer sa nourriture. Madame devait payer les sandwichs l'année dernière. Elle devait lessiver le linge. Oui, ce gamin avait quelquefois un taux d'absentéisme effrayant. Parce qu'il n'y avait pas de vêtements pour venir en classe. Parce qu'il n'y a pas de vêtements. Je crois que vous êtes rendu une ou deux fois chez lui. Deux fois dans la famille, où on ne m'a pas ouvert d'ailleurs à chaque fois. Et on se rendait compte de la pauvreté du milieu, rien que par l'habitation, par l'extérieur de l'habitation. Je crois qu'il faut quand même qu'il passe ce mauvais cap avant de pouvoir espérer mieux. Et c'est ce qu'on veut ici, quand même. C'est de leur donner une formation de base qui puisse leur permettre de sortir de ce fatalisme dans lequel ils sont. Recentrer les bonnes valeurs. De toute façon, je pense qu'il faut peut-être les parents qui les incitent à ne pas aller à l'école. Il n'a plus de maman. Il n'a plus de papa. Un papa très peu présent. Qui dort la journée pour cuver ce qu'il a bu de la nuit. Et c'est épouvantable. Une des familles que la directrice veut aider habite à 100 mètres de là, dans un taudis qui a brûlé à moitié et qui risque de s'écrouler. Le poêle à charbon refoule un air irrespirable. Les pompiers ont disposé des poutres pour soutenir le toit qui menace. Le père malade a perdu son emploi et la mère ne travaille pas. De honte, les enfants se cachent à ma vue. La famille espère un logement social depuis 5 ans, patientant de mois en mois, d'hiver en hiver. Les autorités municipales leur ont proposé une caravane. Tous les ans, tu as le papier rempli. Il est marqué chaque fois dessus qu'est-ce qui se passe. Ben, il se fout déjà la fosse. Faux. À chaque fois, il faut le remplir. Il est marqué pour quel motif qu'on doit faire une maison, un logement, tout ça. À chaque fois. Ben, il l'a quand même le papier. Il l'a déclaré aussi. Oui, mais tous les ans, tu as le papier. Il faut le remplir. À chaque fois, marqué pour quelle maison qu'il faut. Dans quelle localité et pour quel motif il faut une maison. La localité, ça en a mis des portos, la localité. Tu me dis qu'il faut une petite passion. Est-ce que tu veux que tu dans les... de 50 000 francs. Moi, ça serait voir. Ah. Voilà, c'est nous autres à louer une maison. De toute façon. C'est ça que j'avais dit, hein. Ah. Avec la caution, tout ça, moi, je ne sais pas aller louer, ça. Il faut 4 mois de caution. De toute façon, le numéro du commandant est chaussé. Tu l'as quoi, le numéro? Non. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va compenser l'hiver d'aussi. De toute façon, ça fait pour 4 ans qu'on passe ici. Ah, mais attends, ça commence à bien faire, cette histoire-ci. Mais tu l'as fait. Non, c'est refait. Bah, et tout maintenant, ça ne m'embauche à rien. Il n'y a pas que ce foyer-là qui va. Les élus ont fait leur maximum. Ils ont écrit des lettres. Les intéressés sont parents de 2 filles et d'un garçon. L'aîné, qui est âgé de 20 ans, est enceinte. Cher Robert, la maison a été. Pourrais-tu examiner leur demande avec bienveillance et me Cher préciser Maurice, la suite qu'il te sera possible. Vous trouverez en annexe des copies de mes interventions. J'espère qu'elles seront prises en Cher considération. Yvon, et dans ce cas, je ne manquerai j'accuse pas bonne réception de ta recommandation en faveur Cher des personnes. Cher pourrais-tu examiner leur demande avec bienveillance et me préciser attestons avoir constaté un taux de CO largement supérieur à la normale tolérée. Cette situation est imputable à l'incendie de la maison voisine. Cet oxyde de carbone ainsi qu'une odeur de fumée est insupportable.
table. D'avance, je t'en remercie et te prie. Je suis malheureusement dans l'obligation de t'annoncer qu'il ne m'a pas été possible de trouver une solution au cas des intéressés. Ma fille ne va pas à l'école. Mais elle est à l'école libyen. Mon gamin va à l'école libyen. Faut comprendre que, bon, ses copains ont deux maisons normales. Ils sont gênés, dans le sens, c'est gêné. Il a deux maisons normales. Lui, ne s'est jamais fait venir à un camarade ici pour jouer. Il est toujours obligé d'aller à l'extérieur jouer avec ses camarades. Il ne peut jamais dire à son anniversaire, viens chez moi, on va faire un petit anniversaire. Non, c'est toujours lui qui va. Faut se mettre à sa place. On lui dit, mais c'est un demi-ni, ça, qu'est-ce que c'est ça? Dans quoi est-ce qu'il vit? Un SDF. Ah, faut comprendre, il faut le mettre à leur place. C'est ça, ils sont plutôt gênés. Hein? Pourquoi tu ne vas pas l'éloigner? Voilà. Si ses camarades ne vont pas le rejeter. Tu les fais rentrer, ils vont dire fou, ils habitent dans une maison. Bon, ma fille a 19 ans. Elle peut connaître un petit copain. Oui, mais les parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? T'as vu qu'est-ce que t'étais cherché? Elle vit dans un taudis. Elle nous regarde que maisons qu'on a. C'est ça aussi. Et tu vas sortir avec cette fille-là. C'est ça l'histoire. Vous filmez pour rien. Mais il filme pour commune, pour monter la commune. Commune, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, on va faire ci, oui, on va faire là. Il ne faut rien du tout. Rien. Mais si on le laisse les filmer, allô? Bah ouais, mais ça, maman, il peut filmer, il peut faire qu'est-ce qu'il peut filmer. Il va filmer pour rien du tout. Ils ne sont jamais venus. Bon, je suis né, moi, ici. Hein? Ils n'ont jamais rien fait, ici. Avant, on est, mais la deuxième, on n'a plus bougé, pour rien du tout. Plus rien du tout, ça ne s'appelle plus rien du tout. Vous filmez pour rien. Et le bourgamestre, il ne fait rien non plus. Le bourgamestre, il promet le ciel, il promet ici, il promet là, il fait rien du tout. Vous allez monter ça, qu'est-ce qu'il va dire? Ah oui, mais c'est un imbécile et tout, qu'est-ce qu'il raconte? On va faire ci, on va faire là. Une fête de mairie, bah. Il nous prête pour des barraques, c'est vrai, c'est tout, une fête de mairie du tout. Alors, lui, il. Ah, mais ça, l'argent, le prince, et l'environnement, qu'est-ce qu'il paye taxe, l'environnement? 2000 francs de taxe, là. Moi, je ne paye pas, du tout. Pas un parlement. Quand tant qu'il n'a rien fait. Ben voilà, payer 1000 francs pour l'environnement. Mais qu'est-ce que c'est ça? On est jeune. Non, monsieur, on est jeune. Vous voyez, dans le Borinage, il y a plein de chômeurs. Et alors, qu'est-ce qu'il a? On les envoie pas 40 francs de l'heure. Il vient même pas. Si, moi je les vois là-bas. Aller au parc, il fait propre et tout. Ici, rien du tout. Ici, rien. Si toi, tu ne nettoies pas, ça reste comme ça, comme une merde. C'est du vent, je te parle. On parle, mais c'est du vent, quoi. Et tout. Ça, c'est des paroles qui s'envolent que je dis ici. Parce qu'ils ne font rien du tout. Absolument rien. Pour un final, ils ne font rien du tout. Vous allez filmer là-bas, pourquoi? Pour rien du tout? Parce qu'ils ne verront jamais. Sur une décharge abandonnée, un homme et son fils vivent dans une cabane. Ils ne se plaignent pas et ne demandent rien à personne. Ils croient avoir choisi leur sort, incapables qu'ils sont devenus d'en obtenir un autre. Ils trient tout ce qu'ils trouvent sur la décharge. Briques, plastique, tôle, fer, aluminium. Ou comme ce jour-là, les gaines métalliques de vieux câbles électriques. Chaque jour, les services sociaux leur apportent à manger. Aucun des deux ne sait lire ni écrire, même pas son prénom. Le fils a 26 ans et n'est jamais allé à l'école. Cher Monsieur Stork, vous avez filmé en 1933 les plus pauvres qui ramassaient le mauvais charbon sur les terris parce qu'ils n'avaient pas de quoi l'acheter. Aujourd'hui, ils continuent de ramasser les déchets malgré les allocations sociales qu'ils perçoivent parce qu'ils n'ont rien appris de mieux, parce qu'ils sont inutiles.
S'il était né dans mon milieu, cet homme aurait probablement étudié. Si j'étais né à sa place, je ramasserais des métaux au fond d'une décharge. Il y a des messages comme ça, avec une condescendance. Hein. De jour en jour, je suis plus curieux de savoir ce qu'en disent les responsables politiques de la région. Affaires sociales, bonjour. Oui. Sur quelques kilomètres carrés, il y a entre 200 et 400 taudis. Nous avons maintenant des chômeurs de plusieurs générations. Il y a des enfants qui n'ont même jamais connu leurs parents travailler. Il y a des gosses qui se lèvent le matin pour aller à l'école, quand les parents se lèvent pour les conduire à l'école, ou se réveillent pour les faire aller à l'école. Il m'arrive, moi, assez régulièrement, de voir dans les banlieues bidonvilles de grandes cités, le Caire, certaines grandes villes africaines ou latino-américaines, de voir des nuées de jeunes, de jeunes gens qui shotent sur une balle, qui grattent la guitare et qui ont l'air heureux. Et de filles qui se font des nattes les unes aux autres et qui rient. Les gens d'ici font la gueule. Et finalement, ils se situent vraiment exclus de la population. Et c'est un peu une révolte qui se passe. Une révolte qu'il faut essayer de... Je ne vais pas dire réprimer, parce que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Je crois qu'il faut essayer de leur faire comprendre qu'ils sont dans une société, qu'ils doivent s'intégrer dans une société. Il en est resté un caractère du Borin tout à fait typé, tout à fait marqué. Un caractère grossier, sans doute. Accueillant, aussi. Encore une fois, si les parents savent à peine lire et écrire... si les parents crient à longueur de journée sur un bébé, vous savez, il y aura un retard automatique. Je suis assez mal à l'aise, évidemment, pour ajouter une critique et un constat aux échecs et aux défaillances de l'école. En tout, il y a une motivation. Si ce jeune est motivé, quel que soit le milieu familial dans lequel il a pu vivre, s'il y a une motivation, il peut s'en sortir. À l'heure actuelle, il peut s'en sortir. 100 ans de majorité socialiste, c'est une réussite de s'y être maintenu. Je ne vais pas vous dire qu'il y a un échec du Parti socialiste, puisque vous êtes de ce parti-là où vous parlez, et qu'en plus, j'en fais partie. Bah, au départ, l'idée était superbe. Je crois qu'à l'heure actuelle, 100 ans de socialisme dans la région, un échec. Je ne ferai pas d'autosatisfaction démesurée, mais je ne permettrai pas non plus à qui que ce soit de nous faire la leçon en me demandant est-ce que vous n'êtes pas honteux après 100 ans de socialisme. Non, écoutez, je crois que Sidi Bou Saïd, la vieille ville, est demeurée ce qu'elle était, les Baux de Provence aussi. Les autres partis en sont conscients d'ailleurs. Ils ne sont pas agressifs vis-à-vis du Parti socialiste. Parce qu'il se rend bien compte qu'il ne pourrait pas faire mieux. Un échec face à... Un échec pas à cause des socialistes. Un échec à cause du capital qui gagne sur tous les fronts. Un échec à cause des banques. Un échec à cause... du pouvoir de l'argent. Il n'y a plus de pauvres en Belgique. Il y a des assistés pour diverses raisons, mais il n'y a plus de pauvres. C'est ça aussi une démarche sociale. Bien, merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons continuer par publique sur le tiers. La marque de ce contrat de même qui est dans le policier de l'Église de Mont. La marque de ce contrat, mais ça en fait deux fois. Ce jour-là, les meubles modestes ont été saisis pour des notes de gaz et d'électricité. Le résultat de la vente ne servira même pas à payer les frais de justice.
la dette restera intégrale. Quand sévit la misère, les femmes sont souvent les premières victimes. Je le comprends ce jour-là dans une maison d'accueil où sont hébergées des femmes avec leurs enfants. Merci. J'ai 29 ans. J'avais marre de travailler pour un homme qui je n'avais rien du tout, qui rentrait comme un courant d'air et quand il rentrait c'était pour me taper dessus, de payer ses dettes, alors j'en avais déjà. Il m'avait dit, ça t'apprendra, je vais te casser tes dents. Donc il m'a tapé à poids américain. Il dit comme ça, tu ne paieras plus à personne. Il n'y a plus aucun homme qui voudra de toi. Toute ma vie, c'était comme ça. J'étais battue toute ma vie, j'étais rejetée. Ma mère ne m'a jamais rien parlé d'elle. Mais ce n'est pas une raison. Elle a fait passer sa mauvaise enfance sur moi, mais pas seulement à cause de ce qu'elle a vécu. Et puis elle me disait que je devais arrêter parce que si je continuais à aller à l'école, elle perdait son boulot. Et qu'il fallait l'argent pour nous nourrir. J'ai arrêté l'école et j'ai été travailler dans les bureaux pour elle, à sa place, nettoyer les bureaux. Puis elle m'a jeté à la porte à l'âge de 14 ans, j'étais 3 semaines à la rue, sans manger, sans rien. Je courais jusque chez elle pour demander un peu de pain, pour avoir un peu à manger, un peu d'argent. Et elle n'a pas voulu. Il n'a sans cesse, elle est venue par après, pour savoir ce qui se passait dans la vie, de famille, pourquoi ma mère me repoussait comme ça. Elle prétendait qu'elle ne me repoussait pas, qu'elle m'aimait bien, mais que c'était moi qui exagérais et tout ça, enfin soit. Elle s'était bien rattrapée, et quand elle est partie, eh ben, elle m'a rattrapée dessus à coups de laisse. Le tisonnier, j'en ai eu aussi. J'ai tout eu. Le plus pire, c'est que... Je ne sais pas si je peux en parler, mais j'ai envie d'en parler. Mais... C'est que... Elle a joué... au jeu avec trois types. Elle a payé un jeu de poker avec trois types qui... Et s'ils gagnaient, ils pouvaient passer sur moi. Ils ont gagné, ils sont passés sur moi. Ma mère est restée là en train de boire, 14 ans. Elle était là, assise dans le fauteuil, et tous les trois sont passés sur moi devant les yeux de ma mère. Et je pleurais. Et après, c'était mes deux frères qui m'ont violée. Pour ça, je souhaite la mort. Je souhaite qu'elle crève le plus vite possible. J'irai jusqu'à la déterrer pour lui taper dessus. Mais ça, le jour où elle va être enterrée, je vais faire un scandale à l'enterrement, ça c'est clair. J'ai fait un sale métier, pourquoi? Parce que j'avais pas le choix, j'avais plus rien. J'étais toute seule, il fallait que je me débrouille, j'avais plus de famille. Pour ça, j'ai fait ce métier-là, pour sortir des problèmes. Pas parce que moi j'ai voulu faire ce métier. Mais aussi par vengeance pour tous les hommes qui m'ont fait du mal. Pour me venger. Maintenant je dis c'est à moi de me venger. À moi de profiter d'eux. Quand ils viennent se plaindre comme des cons. Hein, à dire qu'ils aiment leur femme alors qu'ils leur battent et ils viennent boire ici. Sortir leur pognon alors qu'ils ont des gosses. Moi j'ai profité d'eux maintenant. De leur pognon. De leur cœur, de leur faiblesse. Pour ça que je fais ça. Et en plus de ça, je prends du pognon encore sur le dos. Et au moins, pour nourrir mon fils, et sortir des problèmes. C'est dur, mais bon. Il y a plus pire que moi, je me dis. Hein. Je dis toujours qu'il y a plus pire, je ne dois pas voir les choses négatives. Je peux m'estimer heureuse que je suis là avec un enfant ici, que j'ai à manger, j'ai un toit. Je vais pas à me plaindre.
Un soir, dans une kermesse un peu triste, j'ai l'attention attirée par une affiche accrochée à un poteau et à laquelle personne n'attache d'importance. Il sera désormais interdit entre 22h et 6h du matin, sur tout le territoire de l'entité, toute concentration de personnes et de véhicules en un groupe organisé, manifestement à d'autres fins que le stationnement. Un couvre-feu, déjà, alors qu'il n'y a aucune révolte, aucune revendication. À la prison, le sous-directeur accepte de me rencontrer. On voit qu'il y a une certaine catégorie de gens qui sont surreprésentés en prison. Ce sont les gens appartenant à des classes sociales défavorisées. C'était les milieux ouvriers, et ça devient de plus en plus les milieux des sans-emploi et même du sous-prolétariat, je dirais. Et donc, c'est vrai que la population détenue est en général une population fort défavorisée socialement. Donc il y a évidemment aussi une grande partie de la population détenue qui n'a pas fait d'études, il y en a beaucoup qui n'ont pas terminé l'école primaire, il y a quand même une grande part de personnes aussi analphabètes. Quand quelqu'un a commis un acte délictueux, souvent c'est parce qu'il c'est dans une situation problématique qui le dépasse de loin, ou qui dépasse de loin cette seule personne-là, et qu'il serait sans doute plus utile d'agir sur l'ensemble de la situation avec toutes les personnes concernées que... un peu artificiellement, retirer quelqu'un de son milieu, le mettre en cabane pendant quelques temps, et puis après le remettre dans sa situation qui aura peut-être empiré entre-temps, et où finalement tout risque de foirer à nouveau, je dirais. Et je dirais qu'en Belgique, ici, il y en a eu un exemple pratiquement caricatural. C'est à peu près le jour où le gouvernement avait annoncé la fermeture des forges de Clabecq qu'on a annoncé en même temps la construction d'une nouvelle prison à Ittre. Cher Monsieur Stork, le marché concurrentiel a bel et bien acquis une liberté inédite, celle de fermer, de délocaliser vers des horizons où l'esclavage est encore toléré, la liberté de baisser les salaires pour concurrencer les salaires déjà baissés 10 fois, la liberté de s'enrichir en supprimant des emplois. La machine aurait pu libérer l'homme des travaux pénibles et lui offrir un temps libre comme une richesse à cultiver. Au lieu de quoi, on a enfermé les hommes dans l'inactivité ou dans l'exploitation. Pendant ce temps, des marchandises fabriquées à bon compte continuent de tenter la population. Partout, des espaces commerciaux sont venus s'implanter. Ici, on vend le tout. C'est le règne de la tentation. Cuisine équipée, vinyle, moquette, carrelage, pièces pour voiture, salon en cuir, matelas, caravane, prix écrasé, prix liquidé, moins 20%, moins 30%, moins 40%, crédit offert, crédit gratuit. Jusque dans la mort, les hommes sont rangés en classe, en quartier, en colonne. En tombe ancienne ou récente, pour anciens combattants ou pour enfants, les plus originales et les plus sobres, celle des notables, et à l'autre bout du cimetière, celle des pauvres. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait là, nous? T'as une idée pourquoi on est là, nous, non? Quel âge tu as? Je vais avoir 11 ans bientôt. Tu vas à l'école? Ouais. À l'école du compris. Ah ouais. Et alors, t'habites ici avec qui, alors? Avec ma maman. Avec mes deux frères et ma soeur. Ah ben. Et ça va? C'est pas trop dur, ici? Ça va. Un petit peu? Ouais. C'est dur ici dans la région, hein? Pas facile, hein? Ouais. Ça va l'hiver, n'est pas trop froid ici? Ouais. Et toi, ce que tu fais là? Mon
Bon, je vous laisse, hein. La kermesse se poursuit par l'allumage traditionnel d'un feu. Cher monsieur Stork, pour qui veut l'entendre, un bruit résonne au Borinage comme ailleurs. Le bruit immense du silence des pauvres.